Je suis Comlan Fantoyon. Je suis doctorant à l'Université Paris 3, la Sorbonne Nouvelle. Je prépare donc une thèse depuis 2011 sur le projet IFADEM. Le titre de ma thèse, c'est De l'acclimatement à l'appropriation du projet IFADEM, une analyse émergentiste en didactique des langues au Bénin. Donc, je suis béninois et mon terrain de recherche se trouve être le Bénin. Il s'agit donc, comme je le disais, donc de travailler sur l'appropriation du projet IFADEM. Ce qui m'intéresse profondément, c'est les pratiques pédagogiques effectives. Donc, comment essayer de trouver les indicateurs me permettant de mettre en évidence ce que mettent en pratique effectivement les enseignants en classe. Alors, cette question, je l'aborde sous l'angle de la responsabilité épistémologique que développe Kelly. Et cela permet de pouvoir analyser chaque acteur de terrain comme étant un acteur de la recherche. C'est de voir en quoi les enseignants pourraient avoir le recul nécessaire par rapport à leur propre pratique afin de pouvoir l'analyser, l'évaluer et de trouver les moyens d'y remédier en s'appuyant sur des théories aussi bien en didactique des langues qu'autres ou en linguistique. Donc mon travail évidemment dans cette thèse est de voir en quoi est-ce que la formation IFADEM peut être une formation professionnalisante pour le coup. Cette thèse doit se dérouler en 3 ans. Donc j'ai donc commencé en 2011 et elle est supposée prendre fin rigoureusement en 2014. Alors depuis 2011, donc depuis octobre donc 2011, j'ai obtenu ma première inscription en thèse et j'ai consacré cette première année qui a cours donc d'octobre 2011 jusqu'à septembre 2012. Et au cours de cette première année, je me suis attaché à la définition plus précisément du terrain de recherche. Ce terrain de recherche est le Bénin et au niveau du département du Zou ou des collines où le projet IFADEM a formé des enseignants. Donc je vais essayer de travailler avec les enseignants de ce département. Ensuite, je me suis attaché également à préciser les contours de mon cadre théorique. Ce cadre théorique va également de la psychologie sociale à la didactique et aussi bien à la linguistique qu'à la psychologie cognitive. Alors, pour mettre en œuvre tout ça, j'ai commencé ce travail en faisant déjà une partie du travail de terrain où j'ai effectué une première mobilité au Bénin à partir du 15 juillet 2012 au 19 septembre 2012. Alors, cette mobilité m'a permis de prendre contact avec les acteurs du projet IFADEM au Bénin, que ce soit au ministère, à l'Agence française de développement, que les responsables évidemment du ministère de l'Éducation sur le terrain dans le département du Zou. J'ai donc rencontré les acteurs, essayé de voir comment ils travaillent, comment ils mettent en œuvre le projet et quels étaient les problèmes qu'ils rencontrent également. Et j'ai participé ainsi au premier regroupement de la nouvelle vague d'enseignants qui seront formés sur le terrain. C'était une expérience très enrichissante puisque j'ai pu ainsi mettre la main à la pâte en travaillant à côté de ceux qui devaient mettre en œuvre les manuels, les livrets. Donc la deuxième année de thèse va commencer maintenant à partir du mois de novembre jusqu'en novembre 2013 où au cours de cette deuxième partie donc de la thèse, je serai au Bénin à partir du mois de janvier. Donc j'aurai 6 mois à faire au Bénin. Ces mois seront consacrés à des enregistrements filmés, des séances de classe qui me permettront d'avoir un document authentique me permettant d'identifier ces pratiques pédagogiques effectives dont je parlais il y a un instant. Et après quoi je serai revenu en France au mois de juin 2013. Et de juin 2013 à juin 2014, je consacrerai l'entièreté de cette année à la rédaction, à l'analyse des données que j'aurai recueillies. Et normalement,
dans le dernier trimestre de 2014. Je crois bien que j'aurai la chance de pouvoir soutenir cette thèse.